J'avais lu ça dans un livre où il y avait même un, il y avait une fois un ingénieur qui avait douté que le projet puisse être possible d'être fait, et ben il a été mis à la porte directe. Tous les gens étaient là pour pouvoir faire un truc qui était impossible à faire. Partir sur créer quelque chose qui n'a jamais existé. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Bah ouais les gars, à un moment donné, voilà. Ça fait combien de vidéos que tu regardes si tu n'es pas encore abonné? Abonne-toi mon ami! Donc on va voir dans cette vidéo les 7 secrets pour pouvoir avoir une vision comme Steve Jobs. Okay? Comme tu sais, Steve Jobs, on ne le présente plus, hein, c'est un entrepreneur, voilà, cofondateur de Apple. Au moment où Apple était au plus bas, il a fait remonter Apple. Il est actionnaire majoritaire de Pixar. Il était dans le board de Walt Disney. Ok, donc Steve Jobs, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision de malade et qui a accompli la vision qu'il avait. Donc, on va s'en inspirer et voir comment nous aussi, on peut reprendre les mêmes clés qu'il a utilisées pour avoir le même leadership. Si tu n'as pas de leadership, si tu n'as pas de vision, personne ne va te suivre. Tu vois. Parce que concrètement, Steve Jobs, ce n'est pas lui qui fabriquait les ordinateurs. Okay, c'était Wozniak, le cofondateur. Lui, il a porté juste la vision. Okay, donc, je dis juste, mais c'était l'essentiel parce que Apple a fonctionné grâce à ça. Son cofondateur, Wozniak, par exemple, n'aurait jamais réussi à rendre Apple ce qu'est Apple aujourd'hui sans Steve Jobs. Tu vois. Et vice-versa, mais en tout cas, comme tu as pu le voir après, l'évolution, Wozniak n'avait que, enfin si jamais tu as lu le livre ou si jamais tu as vu le film, Wozniak avait juste un poste d'ingénieur et après, Steve Jobs a fait continuer à faire évoluer l'entreprise, avoir une vision, il est parti sur des téléphones, etc. Il a lancé le téléchargement de une musique par musique, c'est lui qui a inventé ça. Donc voilà, quand tu as une vision, tout le monde te suit après. Okay. Donc, c'est important d'avoir une vision, donc on va s'en inspirer. Donc, je m'appelle Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. Okay. Moi, je suis parti de zéro, j'ai redoublé mon BEP, j'ai grandi en banlieue, pyramide, d'accord. Donc, tu n'as pas d'excuses. Okay. Je te dis tout ça pour que tu dises, pour pas que tu aies des excuses dans ta tête. Okay. Que tu sois noir, blanc, arabe, tout ce que tu veux. Tu peux y arriver. Donc moi, j'accompagne toutes les personnes qui sont déterminées à créer leur business en ligne, que tu sois coach, expert, consultant, que tu sois débutant ou que tu aies aucune idée business ou que tu aies une passion, par exemple, je peux t'aider à créer ton business. Cet accompagnement, il s'appelle Successful en ligne 2.0. Okay? Et je t'accompagne, ça veut dire que je suis là avec toi et on monte ton business, okay? Pour que tu puisses être libre géographiquement, être indépendant financièrement parce que je sais exactement, parce que dans ce programme-là, je te montrerai aussi, une fois que tu vas générer du cash, comment l'investir et comment être vraiment indépendant financièrement rapidement. Et avoir des rentes, des revenus passifs qui tombent tous les mois. Donc, passons au sujet de la vidéo. 7 secrets pour avoir une vision comme Steve Jobs. Premier secret, c'est le leadership. Le leadership, alors comment tu fais pour avoir le leadership? Eh bien, c'est le fait d'avoir une vision. Alors, c'est quoi la vision? C'est de voir, c'est de projeter dans le futur ce que toi, tu veux faire. Okay? Et donc, ta vision après est tellement puissante que du coup, les gens ont envie de te suivre, les gens ont envie de dire « Ok, j'ai envie de faire partie de cette vision-là. J'ai envie d'accomplir cette vision-là et donc du coup, j'ai envie de travailler avec toi. » Et c'est ce qui va donner envie à tes collaborateurs ou les gens qui travaillent avec toi de se sacrifier, de faire beaucoup plus, travailler beaucoup plus pour pouvoir accomplir cette vision. Si jamais il n'y a pas de vision, si les gens ne sont pas motivés ou si les gens ne te suivent pas, c'est parce que la vision n'est pas assez claire. Mais quand la vision elle est claire et que les gens adhèrent aux valeurs de cette vision, ils sont prêts à travailler beaucoup plus. Les gens qui travaillaient avec Steve Jobs travaillaient énormément. Ils se vantaient même de faire énormément d'heures. Alors, je ne sais plus c'était quoi le nombre d'heures qu'ils faisaient par semaine, mais c'était énorme en fait. Et ils faisaient même des concours. D'accord, pour savoir qui est-ce qui travaillait le plus. Donc, c'est pour te dire tellement ils étaient à fond dans la vision qu'ils voulaient accomplir, eh bien, qui était dirigée, projetée par Steve Jobs. Donc, si tu vas avoir du leadership, il faut que tu aies une vision claire. Deuxième secret, c'est la folie. Il faut absolument que ta vision elle soit folle. D'accord, la plupart des gens, en fait, n'osent pas rêver grand, n'osent pas avoir une vision vraiment genre irrationnelle par peur de l'échec, en fait, tout simplement. Donc, il ne faut surtout pas se limiter par rapport à la peur. Il ne faut surtout pas se dire « Ok, mais je veux faire ça, mais personne ne l'a fait avant. » Au contraire, plus la chose elle sera folle, plus les gens ils vont te suivre, en fait. À un moment donné, toutes les idées remarquables sont folles, en fait. Donc, où tu veux être remarquable, si tu veux être remarquable, il va falloir que tu sois irrationnel. Ne te limite pas. T'as une vision, vraiment, laisse-toi aller vraiment au plus profond de toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans le futur? Et juste fais-le, que les gens l'ont fait déjà avant toi ou pas. Troisième secret, c'est être clair. Tu vois, j'en ai parlé un petit peu précédemment sur le deuxième point. Il faut absolument que ta vision soit claire. Plus ta vision sera claire, plus vous allez avancer rapidement. Okay? Si jamais ta vision n'est pas claire, bah, du coup, tu vas ralentir. Déjà d'une part parce que tu sais pas exactement où tu vas
et tu vas perdre du temps parce que toutes les opportunités qui vont s'offrir à toi, en fait, eh ben, tu vas les saisir. Et donc, du coup, tu iras dans tous les sens et tu iras nulle part. Et là, personne ne suit un leader qui va dans tous les sens. On ne sait pas où est-ce qu'il va, on ne comprend pas quelle est la direction, en fait, de l'entreprise. Donc, plus la vision elle est claire, ben, plus les étapes à franchir sont simples, clair, plus les objectifs sont précis, et même si, imaginons, bah, tu meurs, imaginons, comme Steve Jobs, eh bah, la vision reste toujours la même, et donc du coup, même s'il n'est pas là, l'entreprise est toujours drivée par la même mission. Okay, c'est ça qui est puissant avec une vision, ça veut dire que tu sois là ou que tu ne sois pas là, eh bah, tes employés savent exactement dans quelle direction aller. Quatrième secret, la motivation. Lorsque Steve Jobs a décidé de créer le Mac, c'était un truc tellement de fou qui n'existait pas encore avant, tu vois, de faire un ordinateur comme ça, genre sexy, super puissant, etc. Super design et facile à utiliser. Que les ingénieurs, ils étaient prêts à faire des heures incroyables, repousser les limites de l'imaginaire, parce que c'était des trucs qui n'existaient pas encore, repousser toutes ces limites-là, parce que la vision était tellement puissante que ça valait le coup de s'investir. Tu vois, les gens ne travaillent pas pour l'argent, les gens travaillent vraiment pour accomplir de grandes choses dans leur vie. C'est ça qui les remplit. Et lorsque tu as une vision vraiment qui motive comme ça, ben, les gens ils s'investissent de malade. Donc comment motiver une équipe? En ayant une vision, en voulant accomplir des choses super grandes qui motivent toute la troupe en fait à se dépasser. Cinquième secret de Steve Jobs, c'est de créer une culture d'entreprise. Tous les gens qui travaillaient chez Apple, ils savaient qu'ils étaient là pour révolutionner le monde. En gros, ils se prenaient pour des révolutionnaires. Donc quand tu es un révolutionnaire, bah, tu es prêt à faire des sacrifices de révolutionnaire. Donc la vision a été super puissante et en plus, elle était super inspirante, motivante et en plus, elle plaçait les gens qui rentraient dans cette vision, pouvoir l'accomplir, comme des gens révolutionnaires qui allaient révolutionner le monde, quoi. Donc imagine la puissance que ça a. Sixième secret de Steve Jobs, c'est la créativité. Ça veut dire de partir sur des choses qui n'existaient même pas. Donc à chaque fois, il devait créer des nouvelles technologies qui n'existaient même pas auparavant. Donc imagine l'état d'esprit de l'équipe qui travaille sur les projets avec Steve Jobs. Je me rappelle même si j'avais lu ça dans un livre où il y avait même un... Il y avait une fois un ingénieur qui avait douté que le projet puisse être possible d'être fait, et ben il a été mis à la porte directe. Tous les gens étaient là pour pouvoir faire un truc qui était impossible à faire. Partir sur créer quelque chose qui n'a jamais existé. Septième secret de Steve Jobs, c'est la perfection. Bon, tu sais, peut-être que tu ne sais pas, mais Steve Jobs était super perfectionniste. Peut-être même dans l'exagération des fois, si tu as lu sa biographie, je me rappelle quand il avait voulu installer ses nouveaux locaux, je ne sais plus c'était où, mais en gros, il avait fait repeindre l'entreprise je ne sais pas combien de fois, tu vois, genre on ne comprend pas ce qui se passe, il trouvait que la couleur n'était pas bonne, finalement il remet, etc. Donc imagine si jamais pour repeindre ces locaux comme il était avec tous ses produits. Donc tous ses produits, tout devait être super bien rangé à l'intérieur, même si le client ne voit pas à l'intérieur d'un iPhone, il fallait que tout soit nickel, tout soit propre, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il avait toujours ce souci d'aller vraiment dans la perfection, l'excellence pour tous ses produits. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le succès d'Apple, tu vois. Au moment où tu commandes un produit Apple, quand tu reçois ton colis, l'expérience client n'est pas la même quand tu commandes une autre marque, tu vois. Donc, pourquoi j'ai voulu te parler de tout ça? Pourquoi je t'ai énuméré exactement les 7 points qui font que Steve Jobs a pu avoir une vision? Et pourquoi toi aussi, c'est important que tu puisses prendre conscience que la vision est super importante? Parce que souvent, on recherche à savoir la stratégie. On veut la stratégie. Et pourquoi on veut la stratégie? Parce qu'en fait, ça nous met en confiance parce que la stratégie te permet d'avoir l'étape suivante. Okay, tu dis au moins, ok, je sais où je vais. Donc en gros, ça te permet de te sentir bien, tout simplement. Sentir bien. Alors que je peux te dire qu'une stratégie sans vision, eh ben, ça ne vaut rien. Tes stratégies ne valent rien du tout. Okay, moi, j'ai souvent été comme ça, où je me disais, en tout cas, moi, j'avance, même si je n'ai pas de vision, etc., etc. Mais le problème, c'est que tu avances où? Ça se trouve, ça avance dans la mauvaise direction. Parce que tu as regardé une vidéo YouTube, tu as pris la formation d'un gars, tu vas dans une direction, alors qu'en fait, quand tu vas réfléchir et que tu vas te dire, ok, ma vision, c'est en fait, c'est là-bas que j'aimerais aller, mon futur, j'aimerais qu'il soit comme ça, tu vas t'apercevoir que tu as avancé dans une direction qui n'était pas la bonne par rapport à là où toi, tu aurais voulu aller. Donc aujourd'hui, avant même de prendre n'importe quelle formation en ligne, investir en toi, ça, je te le recommande, ça, c'est sûr et certain. Mais avant d'investir en toi, ok, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux vivre dans quelques années, dans 5 ans? Avec qui? Où est-ce? Quelles sont tes activités? Qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'est des questions que tu dois te poser. Une fois qu'après, tu sais exactement où tu veux être, d'accord? Donc ça, je t'ai dit la vision personnelle. Après, ça peut être l'ensemble d'un business. Si jamais tu as déjà un business, dans 5 ans, qu'est-ce que ton business fait? Que ce soit financier, que ce soit en termes d'impact, quels sont les produits que tu penses pouvoir, tu veux offrir? Et une fois que tu sais ça, ok, à ce moment-là, ok, si jamais c'est le business en ligne, tu veux être libre géographiquement, tu veux être indépendant financièrement, tu veux après profiter de la vie, je ne sais pas, voyager, faire un tour du monde dans 3 ans, 4 ans. Ok, donc à ce moment-là, un business en ligne, par exemple, comme moi je propose, ça a du sens.
Mais si par exemple tu veux acheter des franchises, des trucs comme ça, parce que c'est ton kiff, tu aimes les franchises, c'est pas, t'aimes Pizza Hut, tu voudrais acheter la franchise de Pizza Hut parce que t'es passionné par les pizzas, tu vois, j'en sais rien. Tu vas pouvoir, grâce aux franchises, avoir une certaine liberté, d'accord, qui sera différente du business en ligne. Mais vu que ta valeur, ta priorité, c'est de construire, je sais pas, une franchise et d'avoir plusieurs franchises, imaginons, bah ça sert à rien que tu prennes une formation en ligne sur comment créer un business en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu sais pas, tu dis ouais, je veux juste gagner de l'argent. C'est au premier gars que tu vois sur YouTube qui te dit ouais, ben moi je me suis enrichi grâce à Amazon, moi je me suis enrichi grâce au dropshipping, moi je me suis enrichi grâce au business en ligne, moi je me suis enrichi grâce à l'immobilier, moi je me suis enrichi grâce aux bourses, trading, crypto. Donc du coup après tu veux juste de l'argent, tu pars dans tous les sens et finalement tu t'arrêtes rapidement en cours de route parce que quand tu vas rencontrer des obstacles, parce que dans chaque pilier c'est difficile. Ça prendra toujours plus de temps que prévu. Hein. Crois pas que tu vas arriver et tout va glisser. Hein. Okay, même si tu te formes, ça va être difficile. Alors imagine ceux qui ne se forment pas, qui n'investissent pas en eux dans une formation. Et pourquoi tu vas t'arrêter en chemin? Parce que tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Tonton, je peux te dire que tu n'as pas le temps, tu charbonnes direct. Tu te lèves, boum! Tu vois, ça, c'est la motivation, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. Donc voilà, maintenant tu connais tous les bienfaits. Pourquoi c'est important d'avoir une vision avant tout, de commencer tout ce que tu veux. Faut que tu saches où est-ce que tu veux aller, qui tu veux être dans le futur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que t'es un rageux, on comprend pas pourquoi. Mets-moi un petit commentaire aussi pour me dire est-ce que toi t'as déjà ta vision ou mets-moi carrément ta vision si jamais tu l'as déjà. C'est toujours inspirant, ça peut donner des idées aux autres, d'accord. Après, copiez pas les visions des autres, ok. C'est important de pas dire ah ben lui, comme il veut faire ça, ah ouais, c'est vrai que ça a l'air pas mal, ouais, moi aussi je veux faire ça. Non, pose-toi vraiment la question, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimerais faire. Si jamais on te donne des millions, si jamais t'es milliardaire, qu'est-ce que tu ferais dans 5 ans? Comment tu occupes tes journées, ok? Donc maintenant, si jamais ton objectif, c'est de pouvoir être indépendant financièrement, être libre géographiquement, moi, je te conseille d'accéder à une formation où je te montre comment créer ton business en ligne, d'accord? Tu peux y accéder dans les commentaires, c'est épinglé, ok? Donc, que tu n'aies pas d'idée business, que tu veux vivre de ta passion, que tu veux vendre des formations en ligne, ok? Je t'explique tout ça dans cette formation offerte. Maintenant, si jamais tu es coach, consultant, expert, tu as une masterclass où je te montre exactement comment les gens que j'ai accompagnés, d'accord, que j'ai coachés, qui sont pareils que toi, qui sont coachs, experts et consultants, ont fait pour pouvoir atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Okay. Donc, c'est une petite vidéo, je te montre ça en 20 minutes. Je te montre exactement toutes les étapes, comment ils ont fait. Tu as juste à reproduire après. Okay, c'est offert. Donc, les gars, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez juste à passer à l'action. Donc, on lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, mon gars.